Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble ce que votre mois d'octobre vous réserve. Votre bougie est en train de brûler sur notre autel spirituel afin que ce mois d'octobre vous soit favorable. Bienvenue sur ma chaîne, heureux de vous accueillir pour cette guidance pour ce mois d'octobre. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexandre Mesruck et je fais plein de vidéos qui vous servent de guidance, qui vous permet d'avoir un peu d'intuition sur votre situation. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, merci de cliquer sur le petit bouton pour s'abonner et activer les notifications pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Donc j'ai déjà préparé vos cartes, je me suis concentré, j'ai médité sur ce tirage et j'avais envie de travailler avec plusieurs oracles comme je le fais à chaque fois. Et pour vous aider à choisir, nous avons ma collection de pendentifs magiques. D'accord, donc vous allez vous concentrer sur l'une de ces pierres, sur l'un de ces pendentifs, et elles vont représenter voilà l'énergie qui vont vous accompagner durant ce mois d'octobre. Mois assez mystique, comme vous le savez, car c'est le mois où on est beaucoup plus proche de l'invisible que des autres moments de l'année. Donc pour le premier tas, pour le premier tirage, vous avez la pierre de soleil. Pour le deuxième tas, vous avez l'onyx. Et pour le troisième tas, vous avez l'améthyste. Pour le temps de chaque tirage, vous l'avez dans la barre de description de la vidéo, mais aussi si vous cliquez sur le déroulement de temps, vous allez voir les différents chapitres pour cette vidéo. Je compte sur vous pour liker, pour partager la vidéo avec vos amis et encore une fois, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Tout ce que j'utilise dans cette vidéo, que ce soit les pendentifs et les oracles, sont disponibles sur mon site internet alexandremesruck.com. Je vais faire pause sur cette vidéo, je vais mettre une petite musique d'ambiance pour vous aider à vous concentrer, à vous focaliser sur votre moi. Et prenez tout le temps qu'il faut, respirez, pensez aux choses qui sont prévues, des choses que vous avez à faire pendant ce mois, mais pensez aussi aux énergies qui peuvent être invisibles, qui peuvent être inattendues, et demandez à votre ange gardien comment vous pouvez faire pour utiliser ces énergies au mieux. Bienvenue aux personnes qui ont choisi la pierre de soleil. C'est une très belle pierre. Je l'approche de la caméra pour que vous puissiez voir. En vrai, c'est beaucoup plus joli que dans la caméra. Donc, c'est une pierre qui est alignée aux énergies du soleil. Donc, ça va vous ramener durant ce mois d'octobre beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de force. Vous allez briller, vous allez être solaire. Donc, voyons voir les énergies principaux. On va commencer avec l'oracle de cristal. Nous avons une aquite. Donc, cette pierre nous dit qu'il faut vivre dans le moment présent. D'accord? Donc, ce que ça me dit pour ce mois d'octobre, c'est que vous allez être peut-être un peu dissipé. Vous allez peut-être être un peu absorbé par vos priorités, par les choses que vous devez mettre en place. Vous allez peut-être aussi être très dans les souvenirs. Vous allez penser au passé. Peut-être même des personnes du passé peuvent refaire surface, pas pour vous plaire le plus, mais ça peut arriver. Donc, cette pierre, ce qu'elle me dit aussi, c'est que c'est très important de vous ancrer dans le présent, parce que c'est dans le présent que nous fabriquons notre futur. Donc, si on est ailleurs, on ne pourra pas éventuellement, voilà, aller de l'avant, d'accord? Et on nous montre aussi que c'est très important de méditer, d'avoir une pierre d'ancrage. Donc,
L'unakite, c'est une très belle pierre pour l'ancrage. Vous avez aussi le labradorite qui vous permet, voilà, de vous protéger contre les énergies négatives. Vous avez la tourmaline noire aussi, le jaspe rouge, qui sont vraiment des pierres qui vous permettent de vous ancrer et d'être concentré sur le moment présent. D'accord? Ce que je veux dire aussi avec cette carte, c'est que l'énergie des souvenirs sont très très forts. Donc, je ne sais pas s'il y a l'anniversaire d'un décès d'une personne dans votre entourage qui va peut-être venir vous bouleverser, qui va peut-être venir vous, pas vous importuner, mais raviver des souvenirs assez douloureux. D'accord? Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, ce que vos guides me disent, c'est que arrêtez de penser que vous pouvez changer le passé, que vous auriez pu changer le passé, que vous auriez pu faire les choses différemment. Le passé est passé, c'est terminé, c'est le présent qui est important. D'accord? Ne vous inquiétez pas du futur non plus, parce que les solutions pour le futur se trouvent dans le présent. Si vous allez vers la guérison de certaines situations, ça va vous permettre de, voilà, de vous élever, ça va vous permettre de construire votre futur. C'est très important, d'accord? Et une belle affirmation que vous pouvez utiliser avec cette carte, c'est que je vis dans le présent et tout va bien. D'accord? Donc, on va prendre mon oracle que vous avez beaucoup aimé, qui est devenu très populaire maintenant sur la chaîne. C'est Je cultive le bonheur. Alors, les cartes sorties sont discernement, défi et flexibilité. Alors, discernement, on vient d'en parler. C'est de rester dans le moment présent. Et la carte dit, l'univers m'aide toujours à obtenir la clarté et le discernement nécessaires dans mes prises de décision. Donc, vous avez des décisions qui s'imposent pendant le mois d'octobre. Et pour beaucoup, ce seront des défis. D'accord? Il faut être prêt. Et sachez que vous avez des outils dont vous avez besoin pour réussir. Donc, il ne faut pas avoir peur. D'accord? Il faut être flexible. Ce qui veut dire que certaines choses vont être un peu imprévues. D'accord? Peut-être que vous avez un scénario dessiné dans votre tête, mais que les choses tournent d'une façon différente. Ça peut arriver aussi. Je pense que vous avez besoin, voilà, d'avoir les idées claires. D'accord? Et pour vous aider à cela, ce que je vais faire, je vais brûler un peu de sauge. Et on va dire une petite prière ensemble pour vous aider à vous concentrer et à dissiper les énergies noires qui peuvent venir vous envahir durant le mois d'octobre. Alors, petit moment soin dans ce tirage. Je brûle cette sauge pour que vos idées retrouvent la clarté nécessaire, que vous soyez accompagné d'anges du discernement, d'anges de la clarté, qui vous puissent faire entendre la voix de leur guidance, que vous puissiez être libéré de toute habitude toxique, de toute personne négative et de toute attitude qui peuvent vous empêcher d'atteindre votre objectif. Que cette sauge vous permette d'être flexible et de vous adapter à toute situation. Et qu'avec la fumée de cette sauge, tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique s'envole. Et que seul l'amour et la lumière puissent rester. Donc voilà, vous avez maintenant de bonnes énergies pour le groupe de Pierre de Soleil. Donc dites-moi si ces choses vous plaisent. Est-ce que vous aimez la façon que j'incorpore des petits soins dans les tirages? Peut-être que c'est des choses qu'on pourrait faire à l'avenir. Donc dites-les-moi en commentaire. J'attends votre retour. On continue avec le tirage, bien sûr. Et nous avons le Lune Oracle. Donc nous avons le Trèfle. Je vais pousser un petit peu les cartes plus haut. Moi, j'aime bien quand vous pouvez voir aussi en même temps que moi les cartes. Alors, et sans étonnement, nous avons la carte du soleil qui apparaît dans ce tirage. Donc, nous avons le trèfle, la faux, le cercueil, le monde et le soleil. Alors, on pourrait voir ça terrible parce que la faux coupe
le trèfle et elle s'appuie sur le cercueil. Donc, on a une énergie de transformation, de fin. On sort d'une situation qui était confortable quand même, hein, et on va vers quelque chose qui est inconnu. Donc, beaucoup de personnes auront l'impression que peut-être ils perdent leur confort, ils perdent ce qui est important pour eux, ils perdent ce qui est, voilà, ce qui est nécessaire. Mais ce qu'il faut comprendre dans ce que ce tirage nous dit et les énergies qui vous accompagnent, c'est que certaines choses, même confortables, ont besoin de rencontrer une fin pour que des choses plus merveilleuses et plus magiques puissent, voilà, être matérialisées. Je suis distrait parce que ça me fait voir en même temps des images. Donc, j'ai la vision de, voilà, de célèbres acteurs, par exemple, qui ont fait un rôle extraordinaire. Ceux qui sont plus jeunes, on va dire, entre guillemets, connaissent la saga Twilight, d'accord? Donc, le jeune homme qui a joué Jacob dans cette trilogie, malheureusement, n'a jamais pu trouver de rôle phare après celui-là. Il était comme si bloqué dans ce rôle. Il y a beaucoup d'acteurs que ça arrive, qu'ils ne peuvent plus faire d'autres rôles parce que les gens les ont classifiés dans tel film ou tel personnage et qu'on a du mal à se projeter dans d'autres scénarios. Et pour vous, c'est pareil. Peut-être que vous aviez votre petit film, vous aviez votre vie, bien établie, bien confort, et soudain, vous avez, un sentiment de monotonie, vous avez l'impression que au dehors de ces limites-là, il y a un autre monde qui s'offre à vous, qui est beaucoup plus brillant, qui est beaucoup plus merveilleux, et vous avez envie de vous mettre un peu, pas en danger, mais vous avez besoin de nouveautés, vous ne pouvez plus rester dans ces choses acquises, vous avez besoin de nouveaux défis, et l'humain a besoin constamment de nouveaux défis, il ne se contente jamais de ce qu'il peut avoir sur le moment. Il faut toujours qu'il y ait comme, voilà, une progression, comme la carte de la flexibilité, qu'il y ait toujours un mouvement, qu'il y ait toujours quelque chose qui évolue et qui passe. Et le cercueil, c'est ça. C'est une fin en soi, oui, mais cette fin, elle va vers autre chose. Donc, on a une transformation et on a le monde. Ici, le monde, c'est la carte qui vous dit que vous avez tout le potentiel possible et le soleil vous éclaire et il vous donne cette réussite. Donc, ce mois-ci, peut-être ce sera un peu de challenge pour vous. Vous avez peut-être rencontré des situations inconfortables, pardon. Vous aurez peut-être les idées un peu assombries, mais gardez le cap sur ce qui est positif. Restez dans le moment présent. Dites-vous, qu'est-ce que je peux faire pour investir dans mon futur? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour investir dans mon demain? D'accord? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui peut rendre mon demain meilleur? D'accord? Est-ce que ça peut être des petites choses toutes bêtes, hein? Est-ce que ranger mon placard de vêtements là maintenant, comme j'ai le temps, va rendre mon demain beaucoup plus facile parce que demain j'aurai des rendez-vous, j'aurai besoin de ma garde-robe, j'aurai besoin d'avoir mes vêtements. Vous voyez, donc ça peut être aussi simple que ça. Est-ce que je mets de l'ordre aujourd'hui dans le placard pour voir quelle quantité de nourriture j'ai à ma disposition? Est-ce que je fais le tri pour jeter ce qui est périmé ou je donne ce que je ne mange plus avant que j'aille faire les courses demain matin? Donc, si j'ai une liste déjà mieux établie aujourd'hui, demain, je pourrai facilement glisser entre les rayons et faire mes courses facilement, sans problème, et rentrer à la maison, voilà, zen attitude. Donc, pensez ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour améliorer votre mois d'octobre. Soyez prévoyant, faites des plans. Ne soyez pas non plus carré, hein. Donc, il faut laisser flexible, il faut laisser un peu de place à l'inconnu, un peu de place aux choses qui sont imprévues. Et laissez-vous surprendre aussi, laissez-vous surprendre par l'univers. Dites tout simplement, voilà, je suis prêt à quitter ma zone de confort et voir ce que tu as à m'offrir ce mois-ci, univers. Donc, voilà votre tirage, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous parle. J'attends vos commentaires, bien sûr, et partagez la vidéo si ça vous a plu avec vos amis, les personnes que vous connaissez dans vos groupes qui adorent les tirages et tout ça. Donc, et je viens de me rendre compte qu'on n'a que des cartes de carreau, 6 de carreau, valet de carreau, 10 de carreau et as de carreau. Donc, le carreau, c'est l'activité, c'est aussi le professionnel.
une petite note pour vous. Donc voilà, si vous avez besoin d'un tirage avec moi, si vous ressentez le besoin d'un tirage en privé, je suis disponible pour ça. Vous pouvez avoir toutes les informations dans la barre de description de la vidéo ou aller directement sur mon site internet alexandremostruck.com et vous allez dans la rubrique prestations et vous trouverez les tirages privés avec toutes les conditions, voilà, pour qu'on puisse avoir un moment ensemble et nous concentrer vraiment sur votre vie, sur votre situation et apporter le maximum de guidance dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Je vous souhaite un très bon mois et on passe maintenant au deuxième groupe. Bienvenue à vous qui avez choisi l'Onyx pour le tirage d'aujourd'hui. L'Onyx est un puissant talisman contre la négativité. Il est formidable aussi comme pierre d'ancrage. Donc si vous avez besoin de vous concentrer, si vous avez besoin que les énergies extérieures ne viennent pas influencer votre situation, c'est une très belle pierre à porter. Et elle est facile pour nettoyer aussi. Vous utilisez voilà une fumigation avec de la sauge ou sinon du Palo Santo. Et vous pouvez aussi utiliser de l'encens. Des encens purificatrices tels que la basilic. Vous pouvez aussi utiliser la myrrhe. Donc, c'est une pierre qui est pas mal pour vous protéger. On va se concentrer sur votre moi et on va voir quelle pierre va vous accompagner aussi. Nous avons la pierre de soleil. Donc, on a eu la pierre de soleil pour le pendentif dans le tirage précédent. Et cette pierre, qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui? C'est de prendre du plaisir dans les petites choses que vous faites. D'accord? De trouver vraiment, pendant ce mois d'octobre, des petites joies, vous sentir bien, ne pas être concentré sur ce qui est sur ce qui est négatif, vous concentrer sur ce qui est positif, sur ce qui est à portée de main. La pierre de soleil vous permet de briller, de ressentir aussi la positivité et la joie autour de vous. D'accord? Donc si vous manquez de motivation, la pierre de soleil est une magnifique pierre que vous pouvez utiliser. D'accord? Donc ce que cette pierre nous dit encore, c'est que vous aurez le temps. Ce que cette carte me dit, c'est que vous aurez le temps ce mois-ci à faire les choses qui vous sont importantes. D'accord? On vous dit aussi de vous concentrer sur les petits plaisirs du quotidien, de vous accorder des moments privilégiés avec vous-même, d'accord? En prenant un thé, en faisant un masque, en écoutant de la musique, vous servant un verre de vin, ou regardant voilà une série que vous aimez, ou voilà un film qui vous rend heureux. En tout cas, ce mois d'octobre, on vous dit de tout faire pour rendre ce mois heureux, pour rendre ce mois positif. D'accord? Je vais rajouter des cartes de mon oracle. Je cultive le bonheur parce que ce qu'on a envie dans la vie, bien sûr, c'est de cultiver le bonheur. Et on a la carte de la mission, la carte de l'humour et la carte du courage. Alors, la carte de la mission, c'est un peu les projets et les rêves que vous avez. D'accord? Et la carte dit « Je crois en mes rêves et je me donne les moyens de les réaliser ». Et des fois, ça peut arriver qu'on fasse des projets et que finalement, les choses ne tournent pas comme on le souhaite. D'accord? Les choses n'arrivent pas comme on le souhaite. On se dit à ce moment-là, voilà, encore une fois, ça ne réussit pas. Je ne vais jamais pouvoir y arriver. C'est compliqué, c'est difficile. Ça ne réussit jamais pour moi. Donc, on se laisse entraîner dans un cycle. Vous voyez comme l'anneau qui tourne autour de la planète. On se laisse être en orbite autour de la négativité. On se laisse absorber. On s'oublie. On oublie nos priorités. On s'égare et on trouve que les choses sont moroses. On nous dit que utiliser notre sens de l'humour, rire des choses, des fois rire de soi, des fois c'est bien. Rire de soi, c'est différent de se dénigrer. D'accord? Rire de soi, c'est rire d'une situation comique. D'accord? Mais non pas dire des vilaines choses sur nos défauts, sur les choses que l'on croit être nos défauts, sur les choses que l'on croit être imparfaits. Parce que nos imperfections sont des perfections divines. N'oubliez pas que le divin ne fait jamais d'erreur et dans votre conception,
tous les plans fonctionnent pour votre mission de vie. Donc, on vous dit, le rire me permet de dédramatiser des situations et d'avoir une nouvelle perception sur les choses et des gens qui m'entourent. Donc, vous avez besoin de rire un peu. Ne prenez pas tout au premier degré pendant ce mois. Essayez de vous détacher de l'orbite de personnes qui favorisent les cancans, qui favorisent la négativité, qui favorisent les choses, les choses qui ne sont pas vraies. D'accord, n'entrez pas dans le rouage des réseaux sociaux, par exemple. Parce que ce qui est dommage avec les réseaux sociaux, c'est devenu tellement un commerce où les gens fabriquent pour avoir des vues, pour avoir des sous, pour avoir un peu de notoriété. On fabrique ce qu'on appelle des fake news, qui veut dire des news fabriquées, des nouvelles fabriquées, des fausses nouvelles pour attirer l'attention. D'accord? Donc, éloignez-vous, favorisez des contacts humains que des contacts virtuels de personnes que vous ne connaissez pas. D'accord? Allez vers des vraies personnes, des vraies situations. Et surtout, ayez le courage d'apprivoiser vos peurs. Donc, vous voyez ce jeune homme qui saute en l'air entre ces deux montagnes et qui arrive très haut dans le ciel, les oiseaux qui l'accompagnent aussi. Donc, cette carte nous dit, j'apprivoise mes peurs, j'ai le courage de les regarder en face sans devoir fuir. Donc, je pense que vous avez besoin, cette semaine, de comprendre que vous ne faites rien de travers. D'accord? Vous avez peut-être besoin de réévaluer les choses, vous avez peut-être besoin de réestimer certaines valeurs, certaines situations. Quand je dis valeurs, c'est pas la valeur que vos parents vous ont inculqué, hein. Valeur veut dire le niveau de positif et de négatif, le niveau de danger, d'échec ou de réussite. Donc vous avez peut-être besoin de réévaluer une situation, de vous concentrer sur ce qui est important. D'accord? Et ce que je vais faire pour vous là tout de suite, je vais allumer une bougie. D'accord? On va allumer une petite bougie. Et cette bougie, elle va vous permettre de vous concentrer sur ce qui est bien, de vous éloigner de personnes négatives, et ça va vous donner les ailes nécessaires pour rebondir vers quelque chose de positif. J'allume cette bougie pour toutes les personnes qui ont choisi ce tirage et qui ont besoin de clarté, qui ont besoin de lumière, qui ont besoin de retrouver la positivité dans leur vie. Que cette bougie puisse attirer vers eux les bonnes énergies angéliques. S'il y a des personnes, s'il y a des situations, s'il y a des circonstances qui empêchent ces gens de voir la beauté de la vie, que ces difficultés puissent brûler en même temps que la cire de cette bougie. Et que seule la lumière, l'amour, la gratitude et la joie puissent en ressortir. On va mettre cette bougie sur notre autel spirituel et elle va brûler pour vous jusqu'à la fin, afin que ce mois d'octobre puisse être positif pour vous. Votre bougie est en train de brûler sur notre autel spirituel afin que ce mois d'octobre vous soit favorable. Donc voilà, on continue avec notre tirage. Donc on va voir un peu l'effet de cette prière et de cette bénédiction sur vous. Et on va utiliser le oracle. Donc on a le chien, le vaisseau, le triangle, le lys et l'argent. Alors c'est pas mal. Alors on a au milieu le triangulaire. Donc triangulaire, c'est un peu la force de la Trinité. Comme on n'a pas fait de tirage affectif, ce triangulaire ne va pas représenter une relation triangulaire. Il va plutôt représenter vous, l'univers et vos guides. Donc cette belle relation que vous avez, parce que nous avons la carte du chien, le chien qui représente l'ange gardien, l'ami fidèle, la personne qui vous accorde sa protection et ses faveurs. Donc on voit que si vous vous concentrez sur le positif, si vous mettez le divin au milieu de tout ça, il ne peut qu'avoir des changements positifs, il ne peut qu'avoir des satisfactions et des retours prospères. D'accord? Pour ceux qui sont dans le commerce, attendez-vous que octobre soit un mois plus ou moins favorable. D'accord? Vous allez peut-être même pouvoir faire un surplus d'argent que vous allez mettre de côté.
Vous allez peut-être même pouvoir vouloir plutôt investir dans d'autres produits, dans de nouvelles choses. Certaines personnes voudront aussi peut-être envisager un voyage, envisager un déménagement, un déplacement, un changement de vie. Quoi qu'il en soit, ce mois d'octobre peut être favorable si vous y mettez vos bonnes énergies, si vous vous concentrez sur ce qui fonctionne et si vous vous éloignez de personnes négatives. Mettez votre connexion avec le divin, avec l'univers en priorité. D'accord? Dès aujourd'hui, par exemple, vous pouvez allumer une bougie. D'accord? Allumer une bougie chez vous et demander à ce que ce mois d'octobre soit un mois béni où tous vos projets puissent voir le jour, mettre des choses en place. D'accord? Donc c'est un mois qui, pour moi, peut être très favorable, surtout quand on a le lys, c'est une carte de sérénité, on va vers quelque chose, voilà, qui est serein, qui est positif. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour ce tirage, donc j'espère que ça répond un peu à vos attentes, que la petite prière que j'ai fait pour vous va vraiment vous aider. N'hésitez pas à me faire des retours en fin de mois ou sur la vidéo du prochain tirage que je ferai le mois prochain. Et dites-moi si vous aimez cette double action, on va dire, donc de tirage plus un petit soin. Donc c'est vraiment au ressenti, hein. Ça ne va pas être des choses qui seront toujours définies comme ça. On peut utiliser autre chose, mais quand je sens que certains outils peuvent vous aider à aller de l'avant, voilà, on va l'utiliser dans les vidéos et ce sera surtout pour les tirages spirituels, les tirages du samedi. Donc dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous plaît. Et bien sûr, pour ceux qui sentent le besoin d'avoir une consultation avec moi, je suis disponible sur mon site internet alexandremasruk.com pour les tirages en privé. Vous allez dans la rubrique prestations et vous allez voir toutes les informations nécessaires là-bas. Donc je vous laisse regarder. Et on passe maintenant au groupe numéro 3. Bienvenue à vous qui avez choisi l'améthyste pour le pendentif magique de ce mois, le symbole de ce mois pour vous. L'améthyste, vous savez, c'est une pierre qui est très puissante, surtout quand il s'agit de l'intuition, quand il s'agit de s'ouvrir au divin. C'est une des pierres que j'affectionne beaucoup. Et je crois que c'est la première pierre que j'ai eue dans mon attirail. Oh, justement, elle est là, elle est jamais loin de moi. C'est ma première améthyste et elle date de 2002 ou 2001, je sais plus, mais c'était pendant l'époque où j'étais en Afrique du Sud, où j'ai vécu un peu là-bas et j'avais découvert la puissance des pierres. Donc ça c'est ma pierre porte-bonheur et vous voyez, malgré toutes ces années, elle brille toujours autant, elle est aussi forte et aussi puissante qu'elle l'est au premier jour. Parce que j'en prends grand soin. Donc, on va voir un peu quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois. Et nous avons le jaspe océan. C'est une très, très belle pierre. Si vous avez l'occasion d'en voir ou d'en trouver, je crois que j'en ai un de pendentif comme ça. Oui, j'en ai un, je crois. Non, ça c'est plus une agate, c'est une agate mousse, on appelle ça. Donc c'est pas la même chose, mais c'est la même famille, c'est la famille des agates. Et l'agate océan, on vous dit voilà de vous d'écouter vos intuitions, la première chose. Et sans hasard, c'est arrivé avec la pierre d'améthyste qui est aussi une pierre d'intuition. Alors, le jaspe océan, c'est très beau. Si vous avez l'occasion d'en trouver et d'en avoir un dans votre kit de lithothérapie, je vous le conseille car il est puissant. Et on vous dit que le jaspe océan vous dit qu'il faut prendre du temps pour vous. Prendre du temps pour vous, c'est très bien. Il ne faut pas vous sentir coupable. Que vous preniez trop de temps pour vous. Il faut vous chouchouter. Le jaspe océan vous dit que ce mois-ci, il faut vous chouchouter. Il faut prendre soin de vous. Il faut prendre ce que vous pouvez accorder à votre être, à votre âme. On vous dit que chaque jour, il faut créer un moment de rendez-vous.
Vous allez me dire, haha, comment est-ce que je peux créer un rendez-vous avec moi-même, Alexandre? Alors, tout simplement, prendre un rendez-vous avec soi, c'est vraiment laisser de côté pendant quelques minutes les obligations, les occupations, les soucis, les tracas. Moi, mon moment quotidien que je m'accorde à moi-même, c'est ma minute méditation. D'accord? Alors, quand je dis méditation, les gens disent « Oui, toi, ça fait longtemps que tu le fais, tu peux le faire pendant des heures et tout ça. » Faux. Faux, parce que il y a plusieurs façons de méditer. On peut méditer comme on le voit dans les films, comme les sages le font, assis les jambes en tailleur et chanter des mantras ou fermer les yeux comme le Bouddha et rester des heures et des heures, voilà, dans le silence. On peut aussi faire des méditations éveillées. C'est une chose que j'adore. Ça, surtout. Je le fais souvent souvent dans la journée, quand j'ai un petit moment, c'est le simple fait de mettre son attention sur quelque chose, un objet. Souvent, moi, c'est la nature. Donc là, par exemple, si je me tourne et que je regarde à travers de ma fenêtre, j'ai, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ça vous en métropole, mais les gens qui sont de la Réunion, ils vont savoir qu'est-ce que c'est. De l'île Maurice aussi, je crois, les gens d'Inde, parce que c'est une plante qu'on utilise beaucoup dans les rituels, dans les pujas, comme on dit. Ce sont les feuilles de bétel. Alors, ils ressemblent aux feuilles de poivrier que vous connaissez, vous, en France, donc en forme de cœur. Et j'en ai, voilà, sur un mur, ça liane, j'en ai beaucoup. Et souvent, je me fixe sur une des feuilles ou voilà une feuille, voilà comme là par exemple, et je la regarde bouger avec le vent et je rythme son mouvement avec ma respiration. Et je ne me focalise que sur ce mouvement et sur ma respiration, son mouvement, ma respiration. À la plage, pareil, je visualise les vagues et je respire en même temps qu'elles. Je rythme ma respiration. Quand je suis devant, j'ai un pied de litchi, donc on a les feuilles de litchi, je regarde quand le vent. Les nuages, pareil. Donc vous pouvez méditer. C'est un moment que vous vous consacrez à vous. C'est un moment que, voilà, que vous vous donnez. Donc essayez. Essayez. Les premiers moments, c'est sûr que votre esprit, votre mental va commencer à jaser, à vous dire plein de choses. Cette petite voix qui vous décourage, qui vous dit « ça sert à quoi ? J'ai faim, il y a un dessert au frigidaire, tu devrais peut-être aller repasser, tu devrais peut-être faire à manger pour ce soir. » Donc l'esprit est comme ça, surtout les personnes qui ont le cerveau toujours rempli, qui n'arrivent jamais à mettre leur cerveau en pause, qui sont sans cesse en train de penser aux pires choses de leur vie, aux pires situations, à leurs défaites, aux choses qui n'ont pas fonctionné, aux choses, aux colères, aux personnes qui les ont blessées. Ces personnes-là ont beaucoup de difficultés à faire taire cette voix. Et vous savez quoi? C'est médicalement prouvé que les personnes qui sont anxieuses, ils ont besoin d'un anxiolytique, et toutes ces pensées sont ça. C'est prouvé que ces personnes-là, qu'est-ce qui vont leur arriver? Ils vont avoir des problèmes cardiaques, ils vont faire de l'hypertension, ils vont avoir des difficultés au niveau du cerveau. Beaucoup de personnes développent l'Alzheimer parce qu'ils ont envie d'oublier leur vie. Beaucoup de personnes vont déclencher des maladies en eux. Des personnes vont souffrir d'eczéma parce que c'est en eux, ils n'arrivent pas en... Voilà, c'est l'anxiété, tout ça. Des fortes migraines, des bouffées de chaleur, donc on développe des maladies avec ces pensées négatives. C'est pour ça que quand je prône la pensée positive, ce n'est pas juste quelque chose de... quand vous m'entendez dire, vous me dites « oui, c'est un peu New Age, c'est un peu hippie, c'est un peu à la mode de dire voilà la pensée positive », mais c'est prouvé qu'il y a une liaison médicale entre la pensée positive et l'état de santé d'une personne. Une personne qui est malade, quand on lui pose des questions, souvent des personnes qui ont des problèmes cardiaques, quand on leur demande est-ce qu'ils vivent dans un environnement anxieux, est-ce qu'ils ont des situations
qui leur causent du chagrin, de la peine. Et on découvre souvent qu'il y a des personnes toxiques qui sont en train de les vampiriser. Et ça provoque ça. Donc, ce mois-ci, prenez soin de vous. Prenez soin de vous est devenu très à la mode depuis le coronavirus. Mais le prenez soin de vous a toujours été quelque chose. Peut-être pas en France, hein, je sais pas. Mais dans les pays anglophones, quand on dit take care, on finit toujours une phrase par take care. C'est vraiment prendre soin de vous. Parce qu'on pense à la personne. Prenez soin de vous, vous êtes important. Et ce mois-ci, créez du temps pour vous. Faites du sport. Alors, je dis aussi, le sport, c'est très bien parce que ça permet au corps de se libérer. Parce que n'oublions pas que notre corps, c'est une usine chimique de plein de choses, d'hormones, etc. Et quand on fait du sport, on déclenche des hormones. Quand on est anxieux, on déclenche des hormones. Quand on fait l'amour, on déclenche des hormones. Donc, on a pas mal de choses comme ça. Et faire du sport, on n'avait pas besoin de le faire tous les jours. Les personnes qui sont en bonne santé ne font pas de sport tous les jours de la semaine. D'accord. Vous avez juste besoin, voilà, d'avoir par semaine vos 3 petites heures, donc vous partagez 3 fois la semaine, voilà. Une petite marche, vous n'avez pas besoin de grimper des montagnes et tout ça. Une petite marche méditative, c'est très bien. Ça va vous rendre beaucoup plus calme. Surtout là, c'est l'automne pour vous, mes amis de l'Europe, mes amis dans l'hémisphère nord. Pour vous, c'est l'automne. Le Canada est très beau. Je salue mes amis canadiens. Le Canada est très beau en cette époque, donc profitez de ces moments. Concentrez-vous sur les feuilles qui tombent. Voilà. Voilà, si vous avez de la neige, donc voilà. Entourez-vous de la nature. La nature, c'est très important. On fait partie de la nature. Même si on habite dans des maisons en pierre, en bois, en béton, en tôle, en je ne sais trop quoi, on est toujours connecté à la nature, on vient de cette nature, on ne sera jamais séparé d'elle. Et l'incorporer dans notre vie quotidienne est très important. Donc j'ai parlé beaucoup pour une carte, hein, vous avez vu. Alors on rajoute maintenant, je cultive le bonheur. Vous voyez, tout ce que j'ai dit là, ça se reflète dans les cartes, pourtant je ne les ai pas encore vues. Alors, allégresse, c'est quoi l'allégresse? L'allégresse, c'est se sentir rempli de joie, se sentir à la bonne place avec les bonnes personnes, se sentir rempli de positivité. Et la carte dit, l'amour de soi est le sol fertile où le bonheur pousse aisément et s'y épanouit. Quand on s'aime, quand on accepte qui on est, quand on apprend à aimer nos imperfections qui ne sont pas vraiment des imperfections, on devient une créature magique. On devient quelqu'un qui a le potentiel de faire n'importe quoi, de réussir n'importe quoi. Et du coup, aimez-vous. Parce que quand vous vous aimez, c'est un sol fertile. Que chaque chose que vous allez planter de bon va pousser et va être récoltée. N'ayez pas peur de parler de vos sentiments. D'accord ? Je suis en sécurité, je n'ai pas peur d'extérioriser et de dévoiler mes sentiments. Peut-être que vous avez des difficultés, voyez, j'adore cette carte, j'ai eu tellement le plaisir à créer cet oracle et ces illustrations. Donc vous avez ce monsieur-là qui a un cœur qui bat, et vous avez cette dame, elle, qui donne son cœur dans sa main. Donc, ils sont dans un endroit, voilà, enfermé, mais vous verrez que dans cet oracle, même les images, les illustrations d'intérieur sont toujours entourées de choses de la nature. Donc là, ils sont entourés de belles plantes. Et cet homme, lui, il n'arrive pas à décrocher son cœur et à le montrer. Il le montre partiellement. Il ne se sent peut-être pas en sécurité. La femme, elle montre l'exemple. Donc, dites à vos enfants, dites aux personnes qui vous entourent, que d'être authentique, c'est une valeur sûre. D'être soi-même, de ne pas être préfabriqué, de ne pas être modelé d'après, voilà, une idée reçue, c'est très important. C'est très important. Le miracle, croire davantage en moi me permet de créer des miracles. Bien sûr, si vous vous aimez, si vous arrivez à vous exprimer avec authenticité, c'est sûr que vous êtes une personne miraculeuse avec plein de potentiel.
Je pense que vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur, que vous avez peut-être beaucoup, beaucoup de blessures par rapport au passé, que vous vous êtes senti trahi, que voilà, ça n'a pas été toujours trop chouette. Donc, on va faire quelque chose pour vous, on va faire un petit soin et on va utiliser le quartz rose qui est magnifique pour le chakra cœur. Donc, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur le quartz rose et le chakra cœur, je vous invite à regarder cela et on va utiliser ce magnifique, ce petit, cette pierre de quartz rose en forme de cœur et nous allons allumer du Palo Santo. Palo Santo qui est une très belle. C'est une très belle. C'est un bois au fait, hein, c'est un bois, mais que l'on peut brûler, voilà, comme de l'encens. Voilà. Je suis en train de l'allumer sur notre hôtel spirituel. C'est ce qui est bien quand on a un micro sans fil, c'est qu'on peut se déplacer. Donc, fermez les yeux, une petite minute, et laissez ce Palo Santo purifier votre pensée, purifier votre corps, purifier votre âme. Ce quartz rose représente votre cœur. Ce cœur que l'on va entourer de Palo Santo, d'énergie positive, d'énergie angélique, pour qu'elle puisse guérir, pour qu'elle puisse s'épanouir. Si vous sentez des picotements au niveau des pieds, de la poitrine et tout ça, c'est tout à fait normal. C'est des énergies qui fonctionnent sur vous. On va laisser brûler ce Palo Santo et ce cœur qui représente votre cœur, votre chakra cœur, on va l'entourer d'énergie angélique et nous allons le placer entre les mains des anges. Nous allons demander à l'archange Raphaël de venir à vos côtés, de vous entourer, de vous aider, de vous protéger, de vous apporter le soin, la guérison, l'amour, la lumière nécessaire pour que vous puissiez avancer. Que votre cœur soit maintenant entouré de belles énergies et qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse dire le profond de ses pensées et que vous puissiez en guérir. Qu'il en soit ainsi. Donc voilà un petit soin pour vous. Donc voilà un petit soin pour vous. J'ai mis notre petite pierre sur l'autel spirituel où elle va continuer à être. Vous voyez, je n'invente rien, hein, j'ai pas encore vu les cartes. Purification, cavalier, jardin, tour et protection, le parapluie. Alors, vous voyez, vous avez besoin. Donc, on a brûlé ce bois et ce feu, on a brûlé ce Palo Santo pour pouvoir relancer les énergies, pour que vous puissiez retrouver une sérénité, une zénitude, une certaine protection, une certaine bien-être de votre situation. Et la carte de la protection vous apportera bien sûr, voilà, une énergie rallongée, une protection divine qui vous permettra d'aller plus haut et aussi de voir de nouvelles perspectives. Je pense que la solitude vous pèse, que vous avez des difficultés à laisser entrer les sentiments, à laisser entrer les gens. Et grâce à ça, vous allez pouvoir, voilà, aller de l'avant, vous allez pouvoir souffler. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous avez aimé la partie, on va dire, soin de ce tirage, merci de me le dire en commentaire. Si vous aimez, voilà, vous continuez. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'attends vos retours. Pour les tirages privés, vous pouvez me contacter sur mon site internet alexandremeustruck.com. Dans la rubrique prestations, donc vous pouvez avoir toutes les informations là-bas. Et moi, je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, mes amis, et à très vite.